La taxe de 2 sous par gramme de sucre contenu dans les boissons sera effective ce lundi 4 février. Si certains producteurs ont déjà calculé leur nouveau prix, d'autres sont dans le flou. Phoenix Beverages, embouteilleur de Coca-Cola, Fanta, Sprite et Perona, dévoilera aux consommateurs les nouveaux prix de ses boissons gazeuses en début de semaine. Richard Wooding, le CEO de la compagnie, nous indique d'ores et déjà que la hausse variera entre 1 et 1,50 roupie par litre. Du côté de la compagnie industrielle de paille qui commercialise les marques Esqui et Orangina, on ne compte pas revoir les prix à la hausse, du moins pas pour le moment. Nous comptons très possiblement augmenter nos prix vers la fin de février. La hausse sera toutefois minime dans la mesure où notre gamme Esqui contient moins de sucre que la plupart des boissons gazeuses sur le marché, indique Iverman, Managing Director de la compagnie industrielle de paille et directeur général de Stack Beverages Castel. Du côté des importateurs, on annonce une augmentation variant entre 20% et 25% des prix des jus concentrés. À titre d'exemple, une boîte de jus de 850 ml coûtera 110 roupies contre 90 roupies actuellement. Ali Reza Daulat, directeur de Siro Daulat, n'a pour sa part aucune idée des nouveaux prix qu'il va pratiquer.